Allez, va t'asseoir. Va. Hein, toi. Elle a tiré combien? Combien? Au total, combien? Elle a tout gâté. Elle a décimé la famille. Elle est dedans. Elle mange. C'est ce qu'elle a là-bas. La panthère est là, non? Amen là ici. Come on. Allez. Feu. C'est pas une petite sorcière. Très dangereuse. Allez, come on.
Feu. 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 Allez. Feu. Quitte ce corps.
quitte ce corps. Comment tu es entré dans ce corps? Comment tu es entré? Toi, panthère, comment tu es entré dans ce corps? Comment tu es entré dans ce corps? Monsieur Peter, dit que son enfant lui devait de l'argent. Moi-même, quand je suis parti au village tout récemment, il y avait 15 ans, un problème de village. L'esprit dit quoi? Comment il est entré dans la vie de cette vieille? Maintenant, elle allait réclamer cet argent-là chez le jeune, et le jeune a profité qu'il entrait en elle, comme panthère. Elle m'a dit qu'elle était sortie même d'abord. Et maintenant, l'enfant là, il est entré, lui aussi il est sorti. Donc, non. L'explication est claire. Elle était depuis le sein maternel. Elle s'est transformée en panthère pour aller manger. Ça, elle a dit ça dans l'intro. C'est pas quelqu'un qui a envoyé ça. Elle dit, c'est ça, mais elle a dit, c'est vrai. Le diable s'est monté, elle est très rusé. Allez! Quitte! Va-t'en! Va! Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte! Allez! Va-t'en! Va-t'en. Quitte ce corps. Faites-la lever. Va partir et quitter ce corps au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout, Vous sentez une action de délivrance. Tu vas commencer à mettre la main sur ta tête et commencer à parler. Commandez aux forces des ténèbres, commandez à la sorcellerie de lâcher ton corps. Ouvre la bouche et prie. Commence à prier. Prie. Tout le monde prie, lâcher ta vie. Au nom de Jésus. Prie. Prie. On prie. Ouvre la bouche et prie. Commandez. Prie. Thank you.
prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Commence à prier. Fermez la bouche. J'invoque le feu du Saint-Esprit là où tu as été. Le feu vient jusqu'à toi. Et la puissance de Dieu se délivre maintenant. La puissance de Dieu te délivre. Là où tu as été, je commande aux esprits de lâcher ton corps. Je maudis toute présence satanique dans ton corps et dans ta vie, dans le nom de Jésus. Le feu sur toi. Je commande aux esprits de t'abandonner maintenant même. Et je libère ta vie maintenant, dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu te touche là où tu as été. La main de Dieu te touche là où tu as été. La gloire de Dieu se touche là où tu as été. Reçois ta délivrance maintenant même. Là où tu as été, la puissance de Dieu te touche maintenant. La main de Dieu te touche maintenant. Reçois maintenant même ta délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta délivrance maintenant même. Le feu! Commande! Je commande aux esprits de partir maintenant même dans le nom de Jésus. Oui. Oui, dans le nom de Jésus. Commande! La puissance de Dieu. Dieu te touche là où tu as été. Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Elle te touche maintenant même. Elle te touche maintenant même. Au nom de Jésus. 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 Ta délivrance au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant même. Dans le nom de Jésus, je commande aux esprits de la sorcellerie de te lâcher maintenant. Les esprits te lâchent maintenant. Les esprits te lâchent maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance maintenant même. Dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Dans le nom de Jésus. Reçois ta délivrance. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. La puissance. Touche. Touche. Lâchez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Allez, libérez-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-la maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. Feu. 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 Oui, lâchez-la.
Libérez sa vie. Oui, libérez-la. Allez. Lâchez-la. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez-la. Oui, libérez-la. 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 Asseyez-vous. Libérez-la. Libérez-la. Au nom de Jésus. Lâchez-la. 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 Au nom de Jésus. Oui, lâchez-la. Lâchez sa vie. Libérez-la au nom de Jésus. Libérez-la. Toi. Toi qui possèdes ce corps. Toi qui possèdes cette vie. Je ne l'aime pas. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais aimé. Quel est ton nom? Je ne l'ai jamais aimé. Quel est ton nom? Je suis ta tante. Ton nom. Ah. Donne-moi ton nom. Oui, Satan, quel est le nom? Ton nom. Nous sommes beaucoup. Oui, mais ton nom, toi qui parles, Satan. Donne-moi. Je suis Célestine. Je ne l'ai jamais aimée. Et pourquoi? Je ne l'ai jamais aimée. Et pourquoi? Pourquoi? À quoi de son intelligence? Parce que chaque fois dans la famille, c'est qu'à le dernier mot, je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas. Longtemps, on devait la tuer. Mais vraiment, vraiment, on n'a pas pu la voir. Mais on a eu sa soeur. On a tué sa grande soeur. On a tué sa grande soeur. Et prends-toi de décision. Prends-toi de décision. Qu'est-ce que tu as vécu dans sa vie? Son mariage. Son mariage. J'ai bloqué son visa. Longtemps, il devait partir. Si elle partait, la famille allait changer. Sa famille allait changer. Comment tu as bloqué le visa? Comment? J'ai mis son visa, son passeport. J'ai mis l'enterré quelque part. Raison pour laquelle où? J'ai l'enterré quelque part. Où? Où? À Braco. À Braco. Vers où d'Abraco? Abraco. Vers où? Dans son village maternel. Mais vers où? Dans quel endroit tu as enterré le passeport? Dans une tombe? Bon. Où? J'ai mis ça sous canari. Dans un canari ou sous un canari? J'ai mis ça sous. J'ai fermé. J'ai renversé le canari. Raison pour laquelle ça tarde. Elle fait tout, rien ne marche. Rien ne marche. J'ai trop vu son étoile, cette petite. J'ai vu son étoile. Raison pour laquelle j'ai dit, je ne l'aime pas. Je l'ai toujours détesté. Je l'ai toujours détesté. Je ne t'oblige pas de l'aimer. Mais je t'ordonne de ramener son passeport. Va, ramène-moi son passeport. Va, ramène-moi son passeport. Tu m'entends? Envole-toi. Oui. Va. Et ramène-moi son visa. Ramène-moi sa chance. Ramène-moi son mariage. Maintenant même. Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu as entendu? Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Allez. Je viens de prendre le visa. Va me prendre le passeport. Va-t'en. Voilà. Voilà. Ramène-moi son mariage. Ramène-moi. Oui. Ramène son mariage. Tu as compris. J'ai compris. Et si tu as ramené, tu me dis que tu as ramené. Je vais tout lui restituer. Voilà. J'ai dit. Je vais tout lui restituer. Très bien. Donc restitue maintenant. Je vais tout lui restituer.
tout va commencer à changer dans ta vie. Restitue ça maintenant. Oui, je dis, je vais tout lui restituer. Maintenant. Vas-y. On attend. La restitution. Ok. Ah, c'est pas son esprit. Vous donnez. Elle a ramassé beaucoup, hein. Je sais que tu tues ton pouvoir des autres. Je sais que tu tues ton pouvoir des autres. Et je sais que ton pouvoir vient des autres. Rends et va. Va-t'en. Va-t'en. Pousse ton cri et pars. Pousse ton dernier cri et va-t'en. Oui, libère sa vie. Oui, libère. Libère-la. Oui, libère-la. Au nom de Jésus. Pousse, voilà, pousse ton dernier cri et va-t'en. Va. 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 Désormais, Jésus prend le règne de cette vie. Désormais, Jésus Christ conduit la destinée de cette vie. Désormais, Jésus Christ devient le Seigneur de cette vie. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Acclamez Jésus-Christ. Jésus est désormais le Seigneur de cette vie. Jésus règne désormais sur cette vie.
Comment tu t'appelles? Est-ce qu'on t'acclame Jésus? Pour toutes tes bénédictions, que le diable te restitue au nom de Jésus. Amen. Commence à prier. La restitution de toutes tes grâces et tes bénédictions. Ouvre la bouche et parle, Seigneur, prie. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez, ici c'est un ministère prophétique. À un moment, Dieu déclenche des délivrances. Je ne m'attendais pas à ça, ça a commencé par la vieille. Et le Seigneur a commencé à déclencher des séries de délivrances. N'est-ce pas? Vous ouvrez la Bible maintenant, prenez Matthieu, le chapitre 2. Oh. Elle a vu qu'on ne parle pas, tu vois. Rien qui ne voulait pas parler. Son fils est où? Tu as vu qu'il ne voulait pas parler, tu as vu? Il faut dire, elle a vu. Elle a vu ce qui s'est passé ce matin. Elle ne voulait pas parler. Hier. En ce moment, on a grappé. Dans la montée des yeux ailleurs. Ailleurs, attends. Non, on n'a pas fini. On n'a pas dit quoi ça. Elle va parler, elle n'a pas encore fini. Elle aura l'occasion de parler. Non, on a mis un peu de temps à commencer. À bout des choses, on n'a pas fini. Il y a des délivrants qui peuvent bénir, mais tout dépend de la vie. Il faut qu'elle fasse des aveux. On a mis la vie, pour créer les aïeux. Même si vous avez vu, Vous arrêtez.
Voilà, là, il a réparé. Ah. Maintenant, il est tout à l'heure. Ah, là, il est à l'heure. Il est à l'heure. Elle dit qu'elle arrête la sorcellerie parce qu'elle a tué beaucoup de personnes. Donc vraiment, elle a arrêté. Si tu ne dis pas tout, tu veux toi-même signer ton décret de mort. Même ça connaît toi des mots. Ben ça, banane pour voir, ben ça pourra pas pour la crème quoi. Ah pour voir, ouais, ben toi pour voir tout ça. Je sais, mais tu dois dire. À bonjour, ne va pas. Bon les vous nous rendez-moi ma tête de la terre ça. Tu as vu comment ce matin Dieu t'a tapé. Ailleurs pour l'avoir pas d'après un jour. Hier, tu ne voulais pas parler, tu as vu. Je vais t'asseoir dans comme ça. Je ne suis même pas adressé à toi ce matin. Non. Va t'asseoir. Non, va t'asseoir. Non, là où tu as arrêté, là, tu es obligé. Là où tu es arrivé, là. Tu es obligé de laisser la force. On a obligé. Elle s'envole. Le jour est sûr, va rester là-bas. On a nos orateurs, dame, aïe, si. Comment tu dis sorti? Non. Les gens l'appellent sorti. Faut aller t'asseoir. On appelle s'asseoir. Si tu veux, faut aller t'envoler. Venez. Vous venez. Ouais. Juste un miracle dans la croix de Jésus. Il ne marche pas du tout. Maintenant, ça va. Il ne marche pas, il est vécu. Oh là là, ce qu'on fait toi-même. Il pouvait pleurer, il a pleuré, Il ne pouvait pas s'arrêter. Il est resté pendant des jours à l'hôtel. J'ai dit, tu ne bouges pas. Il est descendu de l'avion avec la photo ou non. Ils m'ont dit qu'on l'envoyait à Abidjan, l'ont appelé depuis Paris, il est venu pour peut-être. On l'a envoyé. J'ai attendu 3 jours. Les gens, le prophète, lui, il a dit, c'est fini. Dès que je suis mort, je vais partir. Le prophète, depuis, ne m'a pas encore reçu. C'est que ça ne va pas vraiment. Et puis j'ai dit, le Seigneur me dit, il va te guérir. Je suis convaincu que tu seras guéri. Je prends maintenant ton sujet en main. On l'a installé quelque part dans un hôtel. Il est resté une semaine, c'est ça? Il est resté une semaine là-bas. Ça ne l'est pas du tout. Souvent, il m'appelle de douleur. Il ne peut pas dormir. Le voici aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Toi-même, rends-nous le témoignage. Il faut que ça sorte de ta propre bouche. Moi, je suis réjoui quand tu vois comme ça debout. Et puis en souriant, il sourit. Hein? Sinon, on va y pleurer. Et voilà. Elle a fait. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est... Je rends gloire à Dieu, disons. Je dis merci au Seigneur. Parce que sincèrement, ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile quand on a prié, on a dit, on vous a eu. Et puis en France, j'étais hospitalisé en France. Et après, ma papa a essayé de poser le pied pour venir. Bon, je vais essayer. Ouais. Tu ne posais pas les pieds. Quand ils m'ont libéré, c'était chez moi à la maison, je ne sortais pas. Le centre. Et si tu veux, je vais essayer. Je vais tomber sur le pied. Je vais tomber sur le pied.
maintenant, avec qui je l'ai laissé à Abidjan. Je suis venu en sécurité. J'ai dit, vendredi, tous mes deux pieds ne pourront plus encore. Donc j'ai dit, mais attends. Je vais voir le monsieur, on prie, on prie, il ne me voit pas. Vendredi, on prie, il ne me voit pas. Ça me dit, on allait manger. Je l'ai invité pour le scanner. Je l'ai invité chez moi à la maison pour le faire passer au scanner. Donc j'ai vu qui était derrière, j'ai dit, ok, j'ai le dossier. Donc le samedi, le dimanche, on vient au culte. Je ne le sens pas, je suis prêt. Je dis au chauffeur, allons à l'ordinateur. Maman, moi, je suis fatigué. Je viens depuis là. Comment je souffre tout ça? C'est quand on a démarré. Tu l'as appelé. J'ai demandé d'abord à Armel, il dit, et le monsieur qui est venu avec la dame, la Lily. Il dit, Nathan, il va dire, mais le lundi, il était un homme mort à 9h. Il faut l'appeler. C'est comme ça qu'il est revenu. Je lui ai dit, reste tranquille. Ce n'est pas Crasso qui guérit, c'est Jésus. Amen. Amen. Seth est venu voir Crasso, à qui Dieu passe pour guérir, mais le Crasso n'a pas encore reçu le ok de Dieu. Et non. Même si Lily a été guérie au travers de ma main, mais celui qui est l'auteur, c'est Jésus. Amen. Toi, tu ne t'appelles pas Lily. J'ai un autre nom. Et je lui ai dit, Dieu me convainc de prendre maintenant ton dossier. J'étais en train de régler le problème de mort. C'est pour ça que je ne suis pas venu la veille. Le samedi, je me suis rendu ici parce qu'il devait mourir. Donc toute cette nuit, j'ai commencé à régler le dossier, annuler le décret de mort sur sa vie. Et j'ai pris le dossier. Et je lui ai dit à Dieu, non. Non. J'ai lutté tout. Et puis maintenant, un an, j'ai venu me dire, c'est fini, tu es exaucé. Amen. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit, va-t'en. Faut le laisser. Faut le laisser, va guérir. C'était pas facile pour elle de l'abandonner seul ici. Mais elle a laissé, j'ai dit, va guérir. Je suis allé le rendre visite à l'hôtel, j'ai dit, tu vas guérir. Moi, je vois déjà la guérison. Donc, ça ne serait pas une étape. Donc, on a démarré un processus. Aujourd'hui, je suis vraiment réjoui parce que il sourit. C'était pas facile pour lui. Est-ce qu'on t'acclame Jésus de Nazareth? L'année 2015, là, c'est ton année. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a échappé. Il a échappé à la mort. Il a échappé. Et si Dieu opère ce miracle, là, c'est qu'il a de grandes choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus est le Dieu des miracles. Il est tellement merveilleux. Quand je vois ta situation, je bénis Dieu. Je le voyais en train de pleurer. Je dis, regarde, je suis tellement convaincu de son miracle. Non, convaincu. Il y a une dame qui est venue ici, elle est venue avec sa soeur. J'ai dit, laisse-moi 2 jours. Et j'ai dit à la dame, je ne suis pas convaincu. Mais il faut prier. Elle dit, non, je ne suis pas un prieur. C'est par conviction qu'on impose les mains à quelqu'un. Pas parce que c'est Crasso que vous venez ici, il doit vous imposer les mains. Sans moi, mes positions de mains, Dieu peut te guérir. Il t'a même ici. Amen. Dieu peut te guérir sans Crasso. Amen. Si Dieu a besoin d'opérer un miracle, il n'a pas forcément besoin de Crasso pour agir dans ta vie. Amen. Mais moi, avant de t'imposer les mains, il faut que tu sois convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé. Et c'est ça. Je ne suis pas convaincu. Elle est désespérée. Elle dit, bon, amène ta soeur à lui, donc, tout compte fait, Dieu est un Dieu, c'est le temps des miracles. Il fera le reste. 3 jours m'appelait, elle est morte. C'est pas moi. C'est Dieu. Je ne suis pas convaincu de prier pour toi. Amen. Amen. C'est ça le danger. C'est ça le danger. À quoi on voit le prophète n'a qu'à venir. Le prophète n'est pas un prieur. Non. La différence entre le ministère des prophètes, ça ne l'est pas du tout. Parce que je connais la personne qui l'a fait venir. On se connaît très bien. Et j'ai moi, il dit de venir. Donc pour eux, ça devait partir du tic au tac. Du tic au tac. Moi, je suis resté dans mon coin. En train d'étudier le dossier. Ouais. Comment Dieu allait le guérir? Et puis j'avais une histoire de mort. J'ai dit non, il faut que tu règles ce dossier. Le juge, il devait prendre le dossier à main. Et j'étais en train de partir. Ils sont revenus et dit, c'est maintenant que je dois prendre le dossier. Amen. Il était désespéré, il ne croyait même plus. Quand j'ai récupéré le dossier, j'ai dit,
Je suis convaincu de ta guérison. Enfin, je torturais de douleur, ça n'allait pas du tout. On l'a enfermé dans une chambre, il est resté pendant une semaine. Chaque fois, les enfants allaient là-bas. Je suis allé peut-être deux fois pour rendre visite. Et puis, je l'ai ramené ici. J'étais tellement convaincu aujourd'hui, voici le miracle de Jésus. Amen. Tu vas courir ici avant de partir. J'ai filmé ça. J'ai filmé ça, tu vas courir. Amen. Donc, si vous venez ici, Dieu peut vous guérir sans crasso. Ouais, souvent, ça dépend. Non, le prophète lui-même, depuis là, depuis. Non, je ne vais pas.